l'entrée des gorges de l'Ardèche, la grotte Chauvet est découverte le 18 décembre 1994. Elle révèle des trésors de l'histoire de l'humanité, datés de 36 000 ans. Afin de protéger ce chef-d'œuvre fragile, la grotte ne sera jamais ouverte au public. Pour partager ce patrimoine, à deux pas du site original, une réplique voit le jour. C'est la plus grande reproduction de grotte jamais réalisée. La caverne du Pont d'Arc. Un pari fou. Plus de 4 années d'une véritable aventure humaine que nous allons vivre ensemble à la rencontre des premières images de l'humanité. On commence là, je pense que les pointes. Et là, d'accord. Il y a une pointe sur le lointain, là, ça doit être celle-là. Ça, à aucun endroit on restitue ça, c'est un peu dommage de ne pas restituer ça. Hein. On a déjà tous les mètres carrés de ceux-là. Oui, il est où l'ours ? On se drapait. Il est là. Non. Il est là. Moi, je l'ai en entier. Là, tu n'as aucun élément de calcite dans la descente, là ? Non. Là, à partir de là, à mon avis, avec Jean-Jacques, en calcite, il n'y a rien. Là, le principal, c'est de voir le pariétal et d'orienter tout le discours sur le pariétal. Mm-hmm. Mais alors le bison le fait, le cheval qui est derrière aussi. Le bison il y est, oui. Ce projet, c'est une magnifique aventure humaine. C'est une communauté humaine qui se met en place pour aboutir à une réalisation exceptionnelle. On avait l'ambition de restituer les premières images de l'humanité. De la grotte ornée du Pont d'Arc, dite grotte Chauvet. Des images que d'ailleurs les hommes de la préhistoire ont fait sur des parois en 3 dimensions. 36 000 ans après, on utilise les dernières technologies de pointe de l'image et de la 3D pour restituer ça. Et on a l'impression que finalement, ces 36 000 ans n'existent pas et que les hommes de la préhistoire et les hommes d'aujourd'hui se retrouvent finalement pour aboutir à ce résultat qui est assez extraordinaire. Là, on est aux origines de l'art, on est aux premières traces de l'art au monde, en tout cas découvert à ce jour. En réalisant la caverne du Pont d'Arc, on est en train de transmettre ce côté humain de nous, c'est-à-dire une grande humanité. Alors, l'histoire raconte que Jean-Marie Chauvet a trouvé ce qu'on appelle un trousseau fleur, donc un filet d'air qui s'échappe d'une paroi rocheuse. Et ça lui indique un passage pour accéder à une cavité. Donc il va appeler deux amis, Eliette Brunel et Christian Heller, pour l'aider à désobstruer ce passage, en fait, qui se révèle être étroit comme un conduit de cheminée. Ils arrivent en fait par le plafond de la grotte. Ils sont munis de leur lampe frontale et en fait, ils ne voient pas tout de suite la peinture sur les parois. C'est Eliette, la première, qui va voir ces traces, qui va voir 2 traits de peinture. Et elle comprend tout de suite ce qui est en train d'arriver. Elle comprend tout de suite qu'ils ont découvert une grotte ornée, que le rêve de toute une vie, en fait, est devenu réalité. Eliette, elle va pousser une sorte de cri de joie, s'exclamer très fortement pour prévenir ses 2 compagnons. Elle va leur dire « Ils sont venus ici !» Eh bien, observer ces peintures, c'est un peu comprendre qui étaient ces ils et ces elles qui sont venus ici, comme le dit Eliette. Il y a des gens, ils nous disent « Pourquoi vous avez choisi cette grotte pour faire la réplique ?» Ils disent « Mais non, c'est pas une grotte, tout est faux. » Et ils ne croient pas, quoi. Non, non, c'est une grotte. Bon, si vous voulez, allez-y, croyez ce que vous voulez, mais c'est une fosse, quoi. Et ça, c'est un... Ici, on a la chance de travailler avec un outil extraordinaire.
Voilà, et je remercierai jamais assez tous ceux qui ont participé à la construction de cet outil parce que c'est vraiment un beau cadeau que de pouvoir travailler ici, quoi. Quand on va dans la véritable grotte, quand on va dans l'original, on a deux sentiments. Hein. Le premier, c'est aïe aïe aïe, comment on va s'en sortir, c'est infaisable ce truc. Ça, c'est le premier sentiment, c'est comment on va faire, comment c'est possible de restituer ça. En fait, on avait très peur de ne pas réussir, mais pas parce que... on avait peur de ne pas réussir, on avait peur de ne pas être à la hauteur de ce témoignage, de cet héritage. Et là, l'idée, c'était qu'à un moment donné, il fallait qu'on puisse à la fois transmettre, pas que les peintures, mais tout ce qui constitue en fait cette richesse, cette cavité, l'ambiance, l'esprit, l'âme, ce côté frais, ce côté qui fait qu'on descend dans cet endroit, on n'a pas du tout le sentiment d'être moins 36 000 ans en arrière. On a l'impression d'être là, d'être aujourd'hui. Et là, on s'est demandé si on en était capable, si en fait, finalement, c'était réalisable, si c'était pas de la folie. Et en fait, c'était de la folie. Alors que lui, il disait que c'est plus intéressant de raconter l'écoulement d'eau. Oui, mais tu amènes de l'eau là, oui, de la vraie eau. Oui, oui. Et tu l'arrêtes. Et on l'arrête à l'écaille. Et après, c'est pareil, il y a un gour qui est le dernier, qui a un trou et qui est au-dessus du bac de. On est face à une difficulté qui est majeure. C'est-à-dire qu'on doit réaliser une réplique qui est un objet qui n'a jamais été réalisé. C'est-à-dire qu'on doit réaliser un prototype. Non, ce genre de trucs. Ouais. On est vraiment toujours dans le... Toujours, ouais, c'est toujours dans une espèce de boue. Ouais. Dans cette grotte, on a une sensation de fraîcheur inouïe, d'une pureté, enfin, de tout est lumineux, enfin, pas lumineux, mais une fraîcheur. C'est vraiment le mot qui vient à l'esprit, quoi. Tout est intact. Tout est intact, voilà, c'est ça, tout est intact. C'est vrai que la première fois, c'est quelque chose d'énorme, et je crois que sur le moment, on ne réalise pas. Sur le moment, je n'ai pas réalisé. C'est tellement étonnant qu'on se dit, mais c'est quoi, c'est un rêve, c'est la réalité, où est-ce que je suis? Enfin, on est surpris, on se dit, mais comment la nature peut faire de telles choses aussi? Aussi belle, aussi magnifique, aussi étonnante. Hein. C'est une immense découverte. Et évidemment, en plus de ça, il y a la découverte des dessins des hommes préhistoriques qui sont là et qui sont aussi stupéfiants, quoi. Des fois, je me suis dit, c'est pas pour rien que les hommes préhistoriques ont fait des dessins dans cette grotte-là, parce qu'elle a quelque chose aussi, là, cette géologie. La géologie de la grotte Chauvet est quand même particulière. Là. La plastique de la grotte Chauvet est particulière, elle est très, très, très belle. C'est une très belle grotte. Le bâtiment principal, c'est le bâtiment dans lequel on reconstitue la grotte. Imaginez un cylindre qui fait 70 mètres de diamètre, qui est semi-enterré dans le rocher, dans le terrain, qui fait apparaître une face à la vue sur laquelle on reconstitue des effets de roches, de falaises, qui sera la reconstitution de l'entrée de la grotte. Et dans cette grande enveloppe, on a dû rassembler les éléments les plus précieux de l'ensemble de la grotte, qui dans son ensemble fait 800 mètres de long sur le terrain. Là, on l'a comprimé. Comment vous expliquer ? On a une grande feuille qui est la grotte, qui est une grotte complètement plissée. Hein. Son état naturel, c'est 800 mètres de long. Là, on l'a repliée hein, pour avoir un parcours qui tienne dans cette enveloppe de 70 mètres de diamètre, qui respecte tout et qui nous permet de lire finalement à l'intérieur en ayant une anamorphose, une vraie reconstitution, mais sur un espace plus réduit. On entre dans la reconstitution, donc il y a un parcours qui est organisé. Ce parcours
va être séquencé par ce que l'on appelle des stations. Ces stations vont comporter des éléments remarquables de la grotte. Donc, les stations proprement dites peuvent accueillir un groupe d'une vingtaine de personnes. Une des originalités de la reconstitution, c'est que elle sera réalisée à l'échelle 1, c'est-à-dire les éléments remarquables seront dessinés, seront sculptés, seront travaillés à l'échelle 1. Là, on est en train de descendre le long de la galerie des Mégacéros vers la salle du fond. Donc avec des éléments qui vont être normalement reproduits. Là, on arrive dans la salle du fond. Et ce que vous voyez au milieu, en fin de compte, le cheminement qu'on a fait, là, qu'on a défini, même pour voir à travers le nuage de points, c'est sur l'axe de la passerelle. D'accord. On a un projet architectural qui est respectueux de l'environnement. Par contre, on a encore sur le terrain une grande incertitude, c'est qu'on est à proximité des gorges de l'Ardèche, dans un secteur karstique. Donc il y a un risque majeur d'avoir encore des cavités dessous et non pas de trouver une nouvelle grotte avec un potentiel patrimonial exceptionnel, mais de trouver des trous, des cavités qui vont nous mettre à plat ou nous entraîner des surcoûts très, très importants. Je suis sur le site, là, ils sont en train de faire les sondages. Le premier sondage a été fait, ils sont descendus à 20 mètres et on a des pressions de folie, 50 bars, donc il n'y a pas de souci et il n'y a pas de vide. Et le deuxième sondage, ça se présente pareil, ils sont descendus à 10 mètres. Nous, on est arrivé par là, voilà. Voilà. Comme ça, on a fait. Donc, en fait, on a un site qui fait à peu près une trentaine d'hectares. Devant nous, on a l'accueil, la billetterie, la boutique. Hein, ces deux bâtiments-là qu'on va voir ensuite. D'accord. Sur la droite, à peu près à 200 mètres, on a le centre de découverte, qui est ici. Mm-hmm. Ensuite, on a un espace événementiel qui est un peu plus loin. L'anamorphose, qui est là, il n'y a rien de construit dessus. Le facsimilé, l'anamorphose, est droit devant nous, à peu près à 500 mètres. C'est ce bâtiment-là. Mm-hmm. Dont Albert nous parlera ensuite. En contrebas, donc. Par rapport à ici. Il est la côte légèrement contrebas, oui. On est à peu près à 5 mètres au-dessous du terrain du plateau. Autant pour la partie architecturale, je vois, on va en parler sur ce qui a amélioré et compagnie, ce qui aujourd'hui reste pour moi une grande interrogation, en réalité, c'est la scénographie. Quoi. Qui vont être choisies, sur son prix, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez unique. Oui. Pour des raisons de préparation à l'émotion, Jean-Luc vous expliquera tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même une volonté forte pour rendre crédible la reconstitution, de préparer les gens à cette reconstitution. On va les préparer avec des odeurs, on va les préparer avec des effets sonores, et on va aussi les préparer avec un effet spatial par cette descente le long de cette grande rampe. Donc, on rentre dans la grotte, on a le sentiment, donc on a fait ce choc olfactif, on a fait ce choc auditif, et on a le troisième choc là, qui est le choc du froid. Donc on a un système de climatisation. On a vu les différentes techniques. Il y a deux grandes techniques qui sont la photocopie. On crée une paroi, on fait des projections, images, on fait du pointillisme, tuc, 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 tuc. Et on fait du jet d'encre, sauf que c'est pas du jet, c'est un pinceau avec trois poils. Et là, on fait des panneaux qui sont extrêmement proches de la réalité. Il y a l'autre technique, qui est la technique Altamira. Et eux, ils sont partis non pas sur un travail de copie, mais un travail de faussaire. De la même manière qu'on fait un faux Van Gogh, qui n'est pas exactement le vrai, mais qui a la patte d'un Van Gogh, on fait la même chose que les vrais, avec les vrais matériaux, le même machin. Je pense que ça, c'est plus proche de la sensation de la visite originale. Ça fera l'objet des prototypes. On est bien d'accord. Toutes ces choses, elles seront
validée par des prototypes. Le but d'un facsimilé, c'est quand même de montrer les choses autrement que de façon 2D, c'est-à-dire sur une photo, ou virtuelle, où on est quand même devant un écran. Là, on est dans un volume. On essaye d'être dans la grotte Chauvet, quoi. L'approche est complètement différente. Le virtuel ne remplacera jamais ça, quoi. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et un rapport physique, d'avoir un rapport physique avec ces volumes-là, c'est vraiment autre chose que d'avoir quelque chose en 2D. Quoi. Les écoulements qui viennent de là-bas, tu vois la rivière, là, le petit écoulement, oui, est très chargé en argile, donc en fait tout le calcite a une couleur argileuse, oui. Quoi, rougeâtre. Rougeâtre, oui. Ça, c'est les banquettes de gour. Oui. Hein. Et après, tu as les cristaux qui sont au fond des gours. Le gour, en fait, c'est la petite dépression, en fait, hein, dans lequel il y a de l'eau. Et là, bon, tu vois, c'est ça, c'est bien, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait derrière une architecture de gour qui soit remplie, en fait, de cristaux. Le brillant est beau. Le brillant, ça ira. Le brillant est chouette, hein. Ouais, parce que c'est presque couleur, rose, ça, ouais. Ou je ne sais. Le phénomène avait un sujet précis à restituer dans l'histoire, hein. C'était la géologie vivante, on va dire, hein, puisque ce sont toutes les concrétions de calcite vivante en croissance qui se trouvent dans la grotte Chauvet. Attends, je te tiens. Oui, merci. Vas-y. Voilà. La première démarche, c'était vraiment de comprendre ce qu'on était censé restituer. On avait la mission de pouvoir d'essayer de donner aux visiteurs la même émotion qu'on a pu avoir, nous, quand on est descendu dans la grotte. Je pense que c'est pas mal, hein, ça. Hein. Ouais. Ouais, où on a un relief un peu trop fort, de les venir noyer. Ouais. Mais je le ferai pareil, pas partout. Oui, pourquoi pas, ouais. Pour quand même conserver un petit peu le brillant. Parce que là, au toucher, oui, on a quand même de... Ouais. Il ne faut pas qu'on perde non plus quand même la sensation de ouais, de cristaux. Matière. Ouais. Ouais. Enfin, de la matière qui nous donne la sensation de cristaux. Ouais. Ah, c'est joli. Ouais, là, ça change tout. Ma fille, il y a quand même un... Parce que je suis proche. Ouais. Parce que c'est ça aussi qui fait vivante, c'est les petits brûlés en suspension. Oui, oui. Entre la base, là où tu as les fossiles, après les petits endroits avec les argiles et les griffales, après les poches comme ça, ouais, c'est vrai que c'est complexe. Hein. Ben nous, les chevaux, tu crois qu'ils vont le voir à quelle distance, comme ça? On peut monter. Et tu vois, du coup, le fusain, c'est sûr, quand il passe, tu vois, on retrouve le... Mais après, j'arrive pas à le conserver, quoi. Ben, ça y est, l'acrylique. Hein? Ça y est, l'acrylique. À l'acrylique. De mouiller dessous à l'acrylique. De mettre du jus? Ouais, un peu dilué, quoi. Tu veux dire, la pâte est très diluée? Non. De la... Du médium? Non, du... Du médium acrylique. Ah, mais ça va être luisant, après. Faut juste humidifier ce que tu veux faire. Hein. Oui, ça risque d'être brillant. C'est ça qui me fait peur après.
J'ai du médium mat. J'ai été obligé de fixer tout à l'heure, là, et je m'aperçois que ça lui a donné un truc luisant. Connerie. On a fait tout un travail de prototype et d'échantillonnage justement pour que à la fois les artisans qui avaient en charge la restitution, ils aient confiance en eux en se disant ça on approche de la réalité, ça c'est validé, ça on sait que ça fonctionne, c'est crédible, etc. Et puis nous aussi on avait besoin en tant que maître d'œuvre de savoir justement qu'est-ce qu'on pouvait leur demander à ces artisans, jusqu'où on pouvait aller dans la restitution. On a dû faire beaucoup de choses très vite, c'est-à-dire qu'il a fallu s'approprier le sujet, sortir des prototypes, comprendre le phénomène géologique en 3 mois, quoi. Donc c'était quand même très 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 difficile. Et c'est vrai que la réunion, la présentation au comité scientifique, en fait on avait un peu la trouille, quoi. On ne savait pas trop si ce qu'on avait fait c'était bien, pas bien, comment ça allait être reçu, etc. J'ai vraiment tâché de reproduire non seulement le nombre de traits, mais leur morphologie. C'est-à-dire qu'ici, vous n'avez pas du tout la même morphologie de gravure qu'ici. Vous avez effectivement, il y a un côté mécanique qui cerne le museau, mais qui est normal. Oui, non, et là, on change de geste. Ligne, dans la ligne, j'ai remarqué que ce n'est pas la même force qu'il utilise. La ligne, il pousse plus fort. Là, c'est une ligne qui a la même force partout. Celui-ci, il est récent, donc je l'ai amené, puis on va le mouler, voilà. Mais c'est le premier qu'on fait, pour les sols cristaux, justement, avec des petits mouvements par endroits. Et dans le gel, tout ça, c'est quand ça fait très plastique. De quoi? De toutes ces matières. Ah, c'est parce que si la lumière passe à travers. Oui, peut-être, oui. Mais c'est vrai que ça ressemble aussi beaucoup au plastique. Mais oui. Je me souviens d'un comité scientifique. Dans le comité scientifique, on avait souhaité intégrer en plus des scientifiques un regard artistique, et c'est Michel Barcello qui avait accepté d'y participer. Et je me souviens de discussions assez animées au sein du comité scientifique sur la qualité des prototypes, certains étant sans conteste de personnes très réussies et d'autres étant encore, on va dire, améliorable très très fortement. C'est aussi l'intérêt des prototypes. On a 2 matières très différentes et qui ne font pas une unité. J'imagine que vous travaillez à la créer, probablement, mais pour l'instant, je vois ces 2 matières très visiblement différentes et très, bon, chacune avec une matière minérale et une autre plastique. Et, voilà. Enfin, après, le côté, je trouve trop lourd, ça manque de légèreté, la peinture. Parce qu'à Chauvet, c'est très émouvant quand on voit les fusains qui effleurent les rochers, qu'on dirait une aile de papillon. Après, c'est vrai que, comme le disait Dominique, les gens qui vont voir ça, ils n'ont pas vu l'original, alors on peut se dire qu'ils vont être contents avec, oui. Mais bon, on... Est-ce qu'on va se satisfaire de cet argument? Hormis des éléments et des raccords de texture des matériaux qui entourent la partie facsimilée, elle me paraît d'une qualité suffisamment exceptionnelle pour ce projet de restitution. Pour moi, ces prototypes sont absolument adaptés. Les chevaux rentrent à l'écurie. Toi qui l'as visité, la vraie, qu'est-ce que tu en dis? C'est difficile de comparer, mais c'est vrai que c'est... Non, parce que tu as l'ambiance de la découverte. Ouais, je ne me rends pas compte de l'écran dans lequel sera placé ouais, ça. Ouais. C'est là, ça. Alors... Parce que c'est quand tu es dans la grotte, ouais, tu as l'ambiance autour, et tout d'un coup, tu arrives, et là, tu es saisi par la beauté et l'émotion.
Et c'est, voilà, c'est magnifique. Quoi, donc, Voilà, et ensuite après, vous allez... Pas sur moi, hein. Moi je n'ai rien fait. Regardez vers nous. Le travail de prototype, c'était une étape. C'est-à-dire que je pense que quelques mois après avoir commencé le chantier, si on regardait ce qui a été fait au moment des prototypes, ça a été amélioré encore. Et voilà. Il faut rester à l'écoute des gens et de la critique. Sur la partie restitution, exécution de la grotte, il fallait attendre que le bâtiment soit prêt. Et ça, il y a eu presque un an, en fait. Un an où tout le travail s'est fait en atelier, s'est fait à l'extérieur. Et puis, pendant ce temps-là, donc, c'était la partie architecture, le bâtiment brut, qui se réalisait sur le site. Vas-y, moule un peu, Pierre. Moule. D'après mes documents à moi, on doit traiter toutes les surfaces. On abandonne celle-ci. Donc ici, Et cette surface elle est vraiment nécessaire, toute cette surface? Oui, c'est la rotation des camions-pompiers, mais... Tu l'avais calibré, ça? Parce qu'une rotation de camion-pompier, c'est pas obligé de faire le tour. Ça peut être qu'une béquille. Elles apparaissent pas, les surfaces de rotation du sentier-pompier. Giration, là. Non, je sais pas ce que c'est que ce plan. Voilà. Il y avait des extensions sur le plan pour les retournements des pompiers. Il y avait un retournement. Attendez, mais il est dessus, mais... Restons un peu dans l'ordre. Je voudrais régler ces problèmes de réseau, parce que ça fait un an qu'on est dessus, et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui avance. Donc... Essayons de régler ces problèmes de réseau avant de parler d'autre chose. Oui, c'est un peu lié parce que c'est quand même lié en surface de voir. À force de trop lier les choses, on en arrive à des situations où moi j'essaye de lier connement depuis le début, on essaye de sauver les arbres, il n'en reste plus un. Donc essayons de sauver ces arbres en tenant des réseaux. Et là, avançons. Donnez-nous les réponses par rapport aux surfaces qu'il faut traiter. Nous, on dit qu'il faut un séparateur, donc on met un séparateur. C'est vous le bureau d'études, c'est pas moi. Moi, je vous dis, on met un séparateur. Non, c'est pas moi qui décide de savoir s'il y a obligation du séparateur. C'est vous qui êtes en relation avec le maître d'ouvrage et l'ADRIR pour des décisions comme ça. Je mets un séparateur, je fais une tranchée là, je m'en fous de l'arbre. Je suis bureau d'études. Si vous raisonnez comme ça, moi, je raisonne comme ça. Moi, je fais une tranchée, je m'en fous, j'évacue mon eau. J'applique la réglementation, je suis bureau d'études, bête. C'est la même question. Et quand je cherche quelque chose, vous montez sur vos petits chiots en disant que ça n'a pas avancé depuis un an. Mais j'en sais rien, moi. Eh ben, vous devriez le savoir, vous êtes l'architecte référent du projet, vous devriez quand même savoir un minimum de choses sur le projet. Et là, j'aimerais qu'on règle ce problème de réseau et qu'on n'en parle plus parce que personne ne peut avancer. Grande particularité de l'art préhistorique, c'est un art qui a été fait sur une paroi c'est vivant. Ça a une épiderme, ça a un grain, ça a des brillances, c'est humide, c'est mou. Donc tout ça, il faut le recréer. Passe-toi. Cool. C'est un ensemble. La peinture est indissociable de la paroi. Donc ça, c'est très important. On ne fait pas qu'une peinture. Et le but de la fidélité de ça, c'est pas de refaire exactement la même chose, mais c'est d'avoir le même rapport entre le support et la peinture qui est dessus.
Là, vous commencez à le piller. Attends, là, est-ce qu'on ne le monte pas de suite, là? Le deuxième, il est bon, là, maintenant. Ça va, ça va pas, ça. On est bon en hauteur et tout, là. Ouais, tu vois, là, le petit ergo, il rentre pas dans le petit ergo, là, tu vois. Ce que tu vas faire, Bruno, avec le serpif, tu vas te foutre à zéro par rapport à l'autre. Moi, ce que je veux, c'est que tu me le pousses davantage. Bon, mais ça y est, c'est remonté, il fallait pas me faire un plat. Ouais. Hein? Ouais, ouais. Ouais. Je trouve que vous avez beaucoup de problèmes pour pas grand chose. Être là pour le décider. D'ailleurs, on est juste à hauteur. Il est juste dans les limites d'un champ manuel. Tu peux le dessiner sans bouger. Et après, voilà, il n'y a pas beaucoup de repentir. Il y a quelques coups d'estompe. Sinon, le trait est extrêmement sûr. Et on voit bien, notamment pour la corne. Il n'y a pas d'hésitation, c'est extrêmement... Je pense que c'est très vite fait. C'est quelques minutes, peut-être, même pas. Mais c'est beaucoup de talent, beaucoup de métier. Il y a vraiment un sujet, moi, qui nous préoccupait depuis le début, c'était les sols cristallisés. Alors ça, c'était un truc, parce que franchement, c'était un sujet magnifique. Donc il fallait que le visiteur, il en ait plein les yeux, comme dans la vraie grotte, quoi. Il fallait qu'on trouve une solution. Et donc, je me suis dit, on doit restituer un phénomène. Donc on va essayer de faire ce phénomène de façon accélérée. Et le phénomène qu'on devait restituer, c'est une croissance cristalline. Donc je me suis dit, je vais faire pousser des cristaux sur des formes, de façon à pouvoir restituer, restituer des vrais cristaux. Ils sont pas toujours plats, hein. Là, il y en a des pas plats du tout. Une vue de face, tu vois, de cette série où on voit bien la zone lisse et puis dessous une zone avec des cristaux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, là, tu vois, sur la paroi, on a en haut 2 cm de lisse à peu près. Mm-hmm. Puis dessous, tu as des cristaux. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand j'ai travaillé sur cette recherche-là, j'ai vraiment eu l'impression de rentrer en contact avec les sols de Chauvet. C'est-à-dire que quand je faisais pousser ces cristaux, que je regardais ces expériences, enfin, je comprenais les sols de Chauvet. Je comprenais ce que j'avais vu dans la grotte. Et ça, ça a été vraiment fantastique comme sensation. Monsieur Perrazio. Donc là, on s'est tous retrouvés dans le bâtiment, qui était vide, qui était immense. Il y avait encore un petit bout de ciel bleu parce que le charpentier, il était en retard, donc il n'avait pas fini de poser la charpente et donc la couverture. Et on regarde en tenue de chantier avec tous nos casques et nos gilets de couleur. On regarde le ciel comme ça, on regarde cette hauteur, ça faisait 15 mètres ou 20 mètres sous plafond. Tout était vide et il nous restait un an top chrono pour tout remplir. C'est là, je crois, qu'on s'est dit, bon sang, comment on va faire, quoi. Je crois que c'est là que tout le monde a réalisé, parce qu'il y avait vraiment la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, le regroupement d'entreprises, etc. Donc, et là, je crois que tout le monde s'est dit, mince, il y a un sacré boulot à faire, parce que, évidemment, la caverne était vide, donc ça paraissait immense. Et on s'est dit, on a un sacré boulot devant nous. Et on était en juillet 2013. C'était parfois, ou même souvent, très difficile de trouver le sommeil parce qu'il y avait une pression permanente. Quand ce n'était pas un problème lié
aux finances, c'était un problème lié au calendrier, c'était un problème lié à la technique. On partait vraiment de très très loin et il y a eu de nombreuses nuits blanches pour plusieurs membres de l'équipe pendant de nombreuses années, y compris jusqu'à la construction, même pendant la construction, quand on ordonne aux entreprises de rentrer dans le bâtiment du fac-similé qui n'est pas encore étanche et que le lundi d'après, on a 10 cm d'eau à cause des pluies cévenoles d'automne en Ardèche. C'est vrai que ce sont des moments qui sont un petit peu compliqués à gérer. Bah là, c'est tous les points qui ont été mesurés depuis une seule station. Donc, en gros, un point tous les 5 mm sur l'ensemble de la grotte. Et j'ai fait ça avec un scan 3D. Au tout départ du projet, donc on est rentré dans ce bâtiment vide. Alors, pas complètement vide, il y avait quand même une charpente qui le recouvrait. Et donc, on est rentré dans cette grande salle. Et on a reçu, de la part du client, en fait, un maillage 3D correspond donc à la réplique qu'on avait à réaliser et qu'on avait à incorporer dans cette salle. Il est composé de parois verticales, de pendants, de cheminées, de plein de choses complètement tordues, donc impossible de ramener ça sur des plans. Voilà, donc ce maillage, on l'a découpé en trois types de zones, en fait, toutes les parties qui allaient être suspendues, donc on appelait ça les plafonds, les parties qui allaient être posées au sol, donc les sols, et les parties verticales, les murs. On a décidé très vite pour que ce soit à taille raisonnable et qu'on puisse le fabriquer, de ramener ça sur un maillage. Et on a retenu en fait des blocs de 1,50 m par 3 m pour pouvoir fabriquer le support de cette surface qui était vraiment... c'était la nature, quoi, donc c'était une surface qui ressemblait à rien du tout. On a choisi quand même donc de la ramener dans des plans, dans plusieurs directions. On retrouve les suspentes du haut, le palonnier métallique, envers les câbles qui permettent de tenir la cage métallique. La cage métallique, c'est les traits bleu clair, là. Bleu clair et rose. Hein. Et sur un autre fichier, on crée des petites présentations comme ça, avec en rose, là, l'acier à façonner. Et c'est cette image-là qu'on projette à l'échelle 1 sur des tables perforées qui permettent aux compagnons de façonner les aciers les uns après les autres. Ça, c'est peut-être pas les figures les plus impressionnantes. Au niveau taille, c'est pas les grands panneaux. Mais un petit rhinocéros comme ça, c'est absolument magnifique. Quand on voit l'œil, la finesse de l'œil avec le larmier ici, qui ressemble à une feuille. Bon, c'est un travail, je ne sais même pas quel outil ils ont pu utiliser. Enfin, c'est un petit charbon de bois, mais quand on voit la finesse des oreilles ici, c'est absolument magnifique, quoi. Pour réussir à trouver un équilibre entre tout le travail de la roche, enfin du naturel, et les peintures. Il ne faut pas que les peintures ressortent trop, mais il faut qu'elles soient assez voyantes. Enfin, regarde le mouvement qu'il a, la posture qu'il a. En plus, il est beau. À la fois, il y a du trait simple, mais à la fois, il y a du trait beaucoup plus large qui vient ici, par-dessus. Puis en plus de ça, tu as des griffades d'ours. Enfin, il y a quelque chose de majestueux qui est imposant. Il est fait en un seul trait, il est sûr. Bon, je suis ravie de pouvoir la faire. Ouais. C'était des artistes confirmés qui devaient s'entraîner pas mal, qui devaient apprendre aussi, parce qu'il y a des codes dans l'art préhistorique que l'on retrouve d'une grotte à l'autre. Hein. Il y a des choses vraiment très similaires. Et donc ça nécessite d'apprendre, d'avoir un professeur, entre guillemets, quoi, un maître, et ensuite de développer ça, de s'entraîner, et pour arriver à quelque chose d'aussi beau que Chauvet, quoi.
Donc c'était vraiment des artistes hors pair. Les artistes ont pu aller dans la grotte originale. Et quand on fait une reproduction, c'est toujours mieux de voir l'original que de travailler simplement à partir de photos. Parce qu'effectivement, les artistes face aux peintures se sont dit « Ah mais oui, effectivement, je comprends, voilà où est le problème. Effectivement, c'est pas du tout... Les photos ne rendent pas du tout, même si elles sont dans la haute précision, ne rendent pas du tout aussi bien que lorsqu'on est face, on est à quelques centimètres de des peintures du panneau des chevaux ou des peintures de la frise des rhinocéros, par exemple. Mais en fait, là, tu vois les excentriques, tout là. Il n'y en a pas partout, quand même, hein, je pensais. Tu vois, du coup, il faut bien remonter. Hein. Il faut quand même bien remonter. C'est des choses qui ont été faites sur le vif. Donc tout est incisif, tout est vivant. Tout est créé sur le moment, donc pour retranscrire ça, c'est impossible. Hein. Il faut faire plusieurs tentatives, il faut tester, mais on n'aura jamais la même chose. C'est ce que je veux dire. Donc il faut, à ce moment-là, faire un travail de fourmi, voilà, au petit grain à côté de l'autre, pour essayer d'avoir cette petite vague qui va nous montrer la vitesse, la rapidité du geste à un moment donné. Évidemment, Chauvet, on a à peine le droit de respirer, hein, donc on peut pas toucher, on ne peut que regarder dans Chauvet, donc on ne peut qu'admirer. Donc c'est déjà beaucoup, c'est déjà un privilège. Donc pour bien s'approprier les choses, c'était quand même pas mal de pouvoir aller dans d'autres grottes où là, on peut se rapprocher, regarder la forme, et pourquoi c'est comme ci, et pourquoi c'est comme ça, et là c'est différent, et là c'est pareil, enfin voilà, ça... Alors, on a donc réalisé des empreintes au micron qui nous ont permis après de faire ce qu'on appelle dans notre jargon des masters. On s'était constitué un peu des outils, mais en même temps, on ne savait pas comment les prendre, ces outils. On y allait vraiment petit à petit. On était assez démunis, parce que ce qu'on avait à faire, c'était quand même énorme. C'était énorme et en plus, on avait quand même l'envie de faire quelque chose de juste. Hein, de faire quelque chose de vrai, entre guillemets, quoi. À la fois scientifiquement, mais émotionnellement aussi. Il fallait qu'on réussisse à vraiment raconter cette histoire géologique. Une fois qu'on a validé les scratchs et les cages, les sculpteurs ils peuvent venir sculpter. Si c'est pas validé, ils peuvent pas avancer. Après, on valide la sculpture et après, on valide la peinture. L'atelier, ce qui aide à reproduire, c'est aussi la mise en condition au niveau de l'obscurité. Je me rappelle, à la fin, l'atelier était en général assez calme quand on travaillait. Et au bout d'un moment, chacun est focus sur son travail. Et c'est dans des moments magiques comme ça, où on est en train de faire notre œuvre, on se retourne et on voit que tout le monde travaille de manière très consciencieuse et totalement imprégnée dans l'œuvre. Et là, on dit, mais il y a le même ressenti, on est dans notre grotte. On a réussi à refaire notre grotte. C'est une création, en fait. On n'est pas dans la création pure et dure, puisque c'est pas notre imaginaire qui a travaillé sur ce qu'on est en train de restituer. On est sur une copie. Il ne faut pas perdre l'idée que c'est une copie. Mais c'est un peu comme notre petit enfant. On est en train de le faire. On le façonne, on l'arrange, on veut qu'il soit bien... On le pouponne, voilà. Et donc à la fin, bah, quand il s'en va, bah, ça fait mal. Voilà, c'est ça. C'est un beau, pour un premier projet, c'est super. Ah ouais, c'est super. C'est une superbe expérience. Et même au sein de l'équipe, enfin, on est amené à croiser plein de gens qui viennent de
de milieux très différents. Et on apprend en fait sans cesse. Bon, c'est pas toujours facile, tu sais, il y a les caractères des uns et des autres, on est tous comme ça, mais on arrive à partager, à apprendre. Et ça a été vraiment, vraiment très riche. La restitution a commencé à avoir dans son volume, dans son entier, des petits morceaux de la grotte. C'est-à-dire, est arrivé le premier panneau orné, après est arrivé la grande concrétion du mammouth. Et donc là, tout d'un coup, on était en train de s'approprier en fait, cette nouvelle grotte qui était en train de se construire. On n'avait plus envie d'aller dans la vraie grotte. Pas parce qu'on la snobait ou parce qu'on n'avait plus besoin de s'en inspirer, mais parce qu'il fallait qu'on s'attelle maintenant à forger, à donner la crédibilité et l'âme à cette nouvelle construction, à cette nouvelle grotte, qui était presque la sœur jumelle en plus petit, mais qui était en train de se construire, de se dessiner. On y va. Je me souviens qu'à un moment donné, quand on a mis le mammouth en place, c'était un moment qui était pour moi très fort parce qu'en même temps, j'ai vu aussi, j'ai vu un moment très fort, impeccable, et j'ai vu, je le dis, je pense avec... pas mal d'émotions. Le travail de Dany. Effectivement, on y met du sien et on peut pas mettre du sien sans un peu d'émotion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas faire ce travail sans avoir finalement, c'est comme l'omelette est cassée des œufs. Il y a un moment donné, on est admiratif de quelqu'un qu'on connaît. Qu'on côtoie tous les jours, qu'on voit faire et qu'on admire en même temps. Moi, j'ai vu Dany avec ses bouquins, j'ai vu Dany avec toute cette recherche et cette application. Et tout d'un coup, je vois finalement se concrétiser la pointe d'une pyramide. Ça sera un succès considérable que la caverne du Pont d'Arc. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et si notre présence peut servir encore davantage à la promotion du lieu, ce que nous faisons aujourd'hui, moi je ne cesserai pas avec la ministre de dire partout où je me déplacerai dans le monde, vous voulez connaître d'où vous venez ? Venez dans la caverne du Pont d'Arc. Venez en Ardèche et vous serez chez vous. C'est une grande satisfaction d'arriver 7 ans après à l'inauguration de la caverne par le président de la République,
avec plusieurs milliers de personnes sur le site pour ce moment de communion finalement, et avec tous les scientifiques qui sont là et qui sont ravis qu'on ait réussi collectivement à aller au bout de ce projet. Et ça, c'est vraiment une très très grande satisfaction. Là, j'ai eu une émotion parce que j'avais le sentiment que la grotte qui était sur le chantier, la grotte qu'on avait construite, qu'on avait restituée, ben, elle ressemblait à celle-là, qu'elle était... voilà, on avait fait sa petite sœur. On s'est dit, ben, voilà, ça y est, la grotte, on peut la laisser tranquille, on peut la laisser dormir. Effectivement, si on a fait ça, c'est pour qu'elle soit conservée, pour qu'elle soit... qu'on la préserve, on l'abîme pas, qu'elle soit pas altérée. Et donc là, voilà, maintenant, je pense que... ouais, on a réalisé sa petite sœur, et sa petite sœur, elle prend le relais.